suis Vincent Marie, je vais être amené à mener l'échange ici avec Jean-Pierre Filliou au sujet de son dernier livre, Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours, paru aux éditions du Seuil. Il a aussi été professeur invité dans les universités américaines de Columbia et de Georgetown. Il a également enseigné en arabe à l'université palestinienne de Bir Zeit et dans le camp de réfugiés syriens de Za'atari, en Jordanie. Il anime sur le site du quotidien Le Monde, le blog Ainsi Proche-Orient, dont les analyses sont diffusées tous les dimanches matins et elles ont attiré plus de 8 millions de lecteurs en 2020. Ses livres sont diffusés dans 17 langues différentes et ont été régulièrement primés en France comme à l'étranger. Avant de choisir en 2006 la carrière universitaire, Jean-Pierre Filliou a travaillé dans l'humanitaire. Il a notamment été délégué de la Fédération internationale des droits de l'homme au Liban. Puis il a été aussi diplomate au ministère des Affaires étrangères dans les ambassades de France à Damas, Amman et Tunis, ainsi qu'au cabinet du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense et du Premier ministre. Il a également écrit le scénario de 5 bandes dessinées, dont la série en 3 volumes « Les meilleurs ennemis », consacré à l'histoire des États-Unis au Moyen-Orient de 1783 à 2013, avec David B. au dessin. Et il est enfin l'auteur des textes de chansons mises en musique par Zebda, ou le duo Catherine-Vincent. Merci de cette introduction, merci cher Vincent-Marie, merci au festival Arabesque, à la librairie La Cavale et surtout merci à vous toutes, à vous tous. Je suis très heureux de revenir à Montpellier. Bon, c'est ma première fois à Rabez, je sais que c'est le dernier jour du festival. J'avais pu intervenir au cercle, au centre Rabelais, je ne sais plus comment on dit, à l'Agora des Savoirs. Déjà j'y avais proposé une histoire laïque du monde arabe, là c'est plutôt une histoire laïque du Moyen-Orient. Et effectivement, Fariba Adelha, c'est donc une collègue, une amie, une compatriote qui est détenue en Iran depuis plus de 2 ans et qui, quand elle était dans une la plus sinistre prison du pays, à Evin, en a lancé ce cri « Sauver la recherche pour sauver l'histoire ». Je crois que c'est très important parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, non seulement dans tout Moyen-Orient, des collègues, des amis, qui sont pourchassés, qui sont emprisonnés. Pour nous, c'est de plus en plus difficile d'aller travailler là-bas, sans donner de détails. Et en même temps, on a une demande de sens. Et ça, je crois que c'est très important. L'idée que l'histoire ne doit pas être faite par les bourreaux, par les dictateurs, et elle ne doit pas être faite ici par les populistes, par les marchands de haine. Or, on voit bien que tous, ici, là-bas, au fond, la réalité de l'histoire ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est piller l'histoire. Ils font des raids sur l'histoire et puis ils prennent ce qui les intéresse. Et de plus en plus, ils prennent des éléments dans la très longue histoire. C'est pour ça que moi, ma spécialité, c'est l'histoire contemporaine, mais j'ai voulu faire un livre sur 1,5 millénaire d'histoire. Parce que on dit beaucoup de choses sur l'islam, sur le califat, sur les arabes, sur les perses, sur les chiites, sur les sunnites. Et quand on regarde l'histoire de la longue durée, ben c'est à la fois beaucoup plus compliqué et beaucoup plus simple. Parce que ça ne correspond pas aux clichés qu'on nous donne. Mais pour faire ça, il faut déjà mettre à disposition, à votre disposition, à la disposition, avant c'était mes étudiants, maintenant ce sont mes lecteurs, des éléments de cette histoire parce que on la connaît pas. Je vais donner un exemple. L'Égypte. Le Caire. El-Azhar, la Sorbonne de l'islam. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jean-Pierre Chevènement, entre autres. Voilà, la Sorbonne de l'islam. Eh bien, le Caire et El-Azhar, ça a été fondé par des Ismaéliens, pas du tout par des sunnites.
pas du tout par des orthodoxes, comme on dirait aujourd'hui. Hein, la ville et l'institution. Et aujourd'hui, on fait comme si le Caire, c'était normal que ça soit une référence de l'orthodoxie sunnite. Bon, c'est un exemple. Hein. Et on en a beaucoup d'autres. Hein. Voilà, justement, les chiites et les sunnites. En fait, ça a pris des siècles avant qu'on parle de sunnites et de chiites. Des siècles. Et dans l'histoire, on a eu des califes sunnites avec des émirs chiites. On a eu des califes chiites avec des populations sunnites, etc., etc. On a eu des villes saintes chiites dans l'Empire ottoman sunnite. On a eu des populations sunnites dans la Perse chiite. Et cette idée qu'un sunnite naît et la seule chose qu'il a envie de faire, c'est la guerre aux chiites et réciproquement, en fait, dans l'histoire, ça ne marche pas. Pourquoi on a ça aujourd'hui ? Ben pour des raisons qui sont beaucoup plus politiques. Hein, parce qu'on a un régime théocratique en Iran et un régime théocratique en Arabie, qui donc mène une guerre, non pas de religion, mais une guerre de régime théocratique. Voilà, c'était juste pour mentionner quelques éléments qui font que cette histoire, même si elle est longue, même si elle est méconnue, elle mérite d'être revisitée pour faire mentir les propagandes de haine d'aujourd'hui. Alors, sunnisme et chiisme. Déjà, voir, voilà, je vais faire très court. Hein. Sunnisme, ça vient de sunna, c'est la tradition du prophète. Hein. Cette tradition-là, déjà, il faut des siècles pour la construire. Hein, des siècles pour que les recueils des hadiths, c'est-à-dire des citations du prophète, soient constitués, qu'il en sorte des écoles juridiques qui constituent le sunnisme. Hein, les écoles de la sunna. Donc, on est déjà à 2-3 siècles après la mort du prophète. Pour le chiisme, c'est encore plus compliqué parce que au début, chiisme, c'est Shi'at Ali, c'est les partisans d'Ali, donc qui a été le quatrième calife, qui a été assassiné, pas par un sunnite, qui a été assassiné au contraire par un chiite extrémiste. Hein. Donc après, donc son fils est tué à Kerbala en 680, mais pour les gens de l'époque, c'est pas un événement très important. Et en fait, on a un schisme qui est dépossédé du pouvoir, du moins croit-le-t-il, parce que, en fait, il y a deux légitimités. Pour les chiites, ça devrait être la famille du prophète par Ali, et pour les sunnis, il y a l'idée qu'il y a un consensus qui doit mener hein, par l'allégeance à un calife. Hein, là aussi, pour faire très simple. Et puis, les chiites vont finalement, parce qu'ils ont cette exclusion du pouvoir, ils vont commencer à se replier sur eux et à vénérer une généalogie d'imams dont le 12e va s'occulter au 10e siècle. C'est le Mahdi qui reviendra à la fin des temps. Hein. Et donc, pour un chiite croyant, hein, tout pouvoir est illégitime jusqu'au retour du Mahdi. Donc, ça fait que les chiites, au fond, disparaissent de la politique pendant des années. Des siècles. Et comment ils vont revenir à la politique? Ils vont y revenir par un concours de circonstances, comme aurait dit Jacques Chirac, totalement abracadabrantesque. Hein, on a une confrérie soufie, un ordre combattant sunnite, qui va devenir chiite, qui va dire qu'en fait son chef c'est le Mahdi, et qui va prendre le pouvoir en Perse, et qui va imposer le chiisme d'État. On est en 1500. C'est pour ça que c'est la date fondatrice d'un de mes chapitres, et pas 1453, la chute de Constantinople, qui ne change pas grand-chose au Moyen-Orient. Constantinople, ça n'était plus que son arrière-cour, ça n'était plus un empire. Tandis que là, du coup, on va avoir un défi entre les Ottomans, qui sont sunnites, et ce pouvoir qui va instaurer un schisme d'État. Mais alors, j'exagère à peine, hein. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils disent « Oui, on est chiites », ils vont aller dans les mosquées, ils vont couper les têtes à ceux qui disent qu'ils... Puis après, une fois qu'ils sont entre eux, ils disent « Mais au fond, c'est quoi le chiisme ?» Parce qu'en fait, ils ne savent pas, eux, c'est des combattants. Hein. Et leur Mahdi, leur chef, il n'est plus Mahdi parce qu'il a été vaincu dans une bataille. Donc on sait que ce n'est plus lui le Mahdi. Donc du coup, on va importer des chefs. On va importer des chefs chiites du Liban, d'Irak, de Bahreïn, pour chiitiser la Perse. Donc,
C'est comme ça que très progressivement, on va construire ce qui est aujourd'hui une équivalence entre la Perse, l'Iran actuel, et le chiisme. Hein, pendant que les Ottomans, eux, pour faire barrage à cette puissance montante, alors qu'ils sont tournés vers l'Europe, hein, Constantinople, Kosovo, etc., vont dire « Oh là là, ça chauffe », donc ils vont s'emparer du Moyen-Orient, de la Mecque et de Médine, mais aussi des villes saintes du chiisme. Donc on va avoir une religion d'État en Iran, dont les villes saintes sont dans un empire sunnite, pour vous dire que c'est quand même... Hein. Et donc tout ça, pour faire très simple, prend les proportions actuelles, parce qu'on a deux théocraties. Parce qu'on a l'Arabie saoudite, hein, c'est très intéressant ce nom, hein, parce que c'est quand même le seul pays du monde où les habitants sont appelés du nom de la dynastie régnante. En France, on était français, on n'était pas bourbonien. Hein. En Jordanie, on est jordanien, on n'est pas hachémien. Hein. En Arabie, c'est tellement la propriété de la famille régnante qu'on est saoudien. Et donc, wahhabisme, sunnisme très rigoriste, hein, érigé en doctrine d'État avec la Mecque et Médine. Et en 1979, le défi d'une république islamique qui au début se veut islamique, mais qui va devenir en fait une république chiite, avec toutes les contradictions et tous les conflits que l'on sait, et un développement hein, de ces différents mouvements qui vont en fait construire ce conflit sunnite-chiite qui depuis 10 ans a été rendu encore pire parce que face à des peuples arabes qui voulaient la démocratie en Syrie, mais pas uniquement hein, au Yémen en Irak en Égypte, au Liban et bien en fait là-dessus Téhéran et Riyad sont parfaitement d'accord on va dire chiite-sunnite ce qui est la meilleure façon de casser les mouvements démocratiques qui représentaient la pire menace pour les deux théocraties. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, bon, j'ai bientôt 60 ans, hein, moi j'ai connu hein, un Moyen-Orient où je ne savais pas qui était sunnite et chiite. Et où d'ailleurs il y avait tellement de mariages mixtes que l'idée que quelqu'un était sunnite de toute éternité, chiite de toute éternité, n'avait pas grand sens. J'ai connu Beyrouth où on ne savait pas qui était sunnite et chiite. Un Irak où on ne savait pas qui était sunnite et chiite. Ça a beaucoup changé. L'exécution de Saddam, il faut savoir que ce sont des musulmans qui l'ont pendu et qui l'ont insulté. C'était des chiites qui l'ont insulté au nom du sunnisme sur la façon dont on instrumentalise. Hein. Le grand scandale, au-delà du fait qu'il a été tué pour l'Aïd, c'est que c'est George W. Bush qui a décidé de la date d'exécution parce qu'il voulait annoncer que Saddam était mort pour présenter ses vœux le 1er janvier au peuple américain. Voilà, je voulais juste méditer. Voilà. Je suis heureux de vivre dans un pays qui a aboli la peine de mort, et j'imagine vous toutes et vous tous, mais l'idée qu'une peine de mort peut être célébrée dans un message de vœux à ses compatriotes, ça prouve que, quelles que soient les valeurs partagées, il y a des choses qui fonctionnent quand même différemment de part et d'autre de l'Atlantique. Est-ce que vous pouvez éclairer pourquoi prendre la laïcité comme boussole dans un monde moyen-oriental que vous qualifiez de trop miné par les controverses de type théologique? D'abord, c'est parce que j'écris ce livre en France. Et en France, la laïcité aujourd'hui, vous savez qu'on la met quand même à toutes les sauces. Et des sauces qui sont parfois un peu, hein, peu ragoûtantes. Hein. Donc, il faut rappeler la base. La laïcité, c'est la neutralité. La neutralité en l'espèce intellectuelle par rapport à toutes les croyances, qu'elles soient religieuses ou pas. Donc, évidemment, moi je fais une histoire laïque par rapport à un Moyen-Orient qui est saturé de références religieuses. Hein. Mais je prends comme date de départ 395. Je ne prends pas 0. Je ne prends pas 622, le 0 islamique. Je prends une date politique. Et pas n'importe laquelle, c'est la création de l'Empire byzantin, ce qu'on appelle à l'époque l'Empire romain d'Orient. Et cette date, elle est fondamentale, parce que du coup, on va voir le pape à Rome et l'empereur à Constantinople, mais en même temps, le pape à Rome et l'empereur à Constantinople, ils sont tous les deux chrétiens. C'est pas une guerre de religion. L'Orient s'est pas séparé de l'Occident sur une base religieuse, et s'est séparé sur une base politique.
Et on voit que cette ligne correspond à beaucoup de frontières aujourd'hui, que ce soit dans l'ex-Yougoslavie ou au sud de la Méditerranée. Hein? Et donc, déjà en choisissant cette date, je dis, voilà, avec la meilleure volonté du monde, si on fait l'histoire du Moyen-Orient en commençant par la naissance de Jésus, est-ce que Jésus est né en zéro, ça c'est un autre débat, hein? Ou en commençant par l'égir du prophète, qui est un événement tellement marqué hein, en termes religieux qu'il est difficile hein, de s'en détacher pour voir derrière cet événement ce qui est fondamentalement un acte politique, c'est-à-dire que Mohamed dit ces gens que je ne connais pas, Médine, je ne les connais pas, hein, eh bien ils seront plus mes frères hein, que ceux avec qui j'ai grandi à la Mecque. Acte profondément politique, c'est ça qui fonde cette aventure. Cet égir. Et donc moi je choisis 395. Mais en même temps l'histoire laïque c'est pas uniquement par rapport aux religions. Les récits sacrés, il y en a beaucoup. Il y a des récits sacrés de la Perse éternelle, il y a des récits sacrés de la colonisation, il y a des récits sacrés du sionisme, il y a des récits sacrés de la décolonisation, il y a des récits sacrés du nationalisme arabe. Et tous ces récits sacrés, il faut les déconstruire. Il faut montrer comment ça s'est passé, parfois bien, parfois pas bien du tout, mais comment en fait les figures qu'on en a, elles ne correspondent que très rarement avec les récits qu'on en a portés. Et ça pour moi c'est ça la laïcité, hein, c'est mettre à disposition un discours qui est débarrassé de cette sacralisation, que cette sacralisation soit religieuse ou politique ou nationaliste. Vous partez de 395 à nos jours, et ça, il faut savoir que, du point de vue de la discipline historique, c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun, parce que souvent, on est spécialiste d'une période, histoire contemporaine, histoire moderne, histoire médiévale, et c'est quelque chose, c'est une démarche que vous avez déjà appliquée, en fait, dans vos travaux précédents, par exemple, dans l'Apocalypse dans l'Islam, paru chez Fayard en 2008, ou vous avez fait une histoire de Gaza aussi chez Fayard en 2012, ou le miroir de Damas, par exemple, chez La Découverte, pardon, en 2017. Pourquoi c'est important, cette inscription, dans la profondeur du temps? Moi, il y a plein de choses que je ne sais pas, y compris sur mon sujet, mais je l'avoue, je n'ai pas de problème à le dire. Et ma spécialité, c'est le Moyen-Orient contemporain. Et même dans ma spécialité, je ne prétends pas être expert sur tout. Donc en fait, en faisant ce livre, j'ai beaucoup appris. Et puis j'ai beaucoup appris de mes étudiants à qui je l'enseignais. J'ai enseigné un cours sur ce sujet, à 250, 300 étudiants, dont aucun n'était spécialiste de la région. Et donc il fallait que je mette à leur disposition des connaissances qui étaient mobilisables. C'est pour ça qu'il y a ces chronologies, qu'il y a ces cartes, etc. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, hein, je parlais des dictateurs, des bourreaux, des djihadistes, ils n'arrêtent pas de se réclamer du passé, comme si c'était eux les héritiers du passé. Et évidemment, le pire de tout ça, c'est le califat. Quand on a commencé à parler de ce truand, Abou Bakr el-Baghdadi, ce bandit de grand chemin, comme un calife, mais bon, d'abord, on leur a offert une victoire extraordinaire. C'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitaient en s'accaparant cette dignité. Mais en même temps, on a fait comme s'ils étaient légitimes à se réclamer du califat, ce qui, alors là, pour le coup, était un non-sens absolu. Hein. Et donc, j'ai eu la même chose en Syrie, j'ai beaucoup travaillé sur la Syrie, j'ai beaucoup vécu en Syrie, je me suis infiltré avec la révolution syrienne à Alep, pour être au plus près de ces femmes et de ces hommes admirables, et voir qu'on dit Bachar al-Assad, le nouveau Saladin, ce type, ce massacreur, ce tyran, mais vous avez une idée de qui était Saladin? Donc il faut, même quand on fait du contemporain, on finit par être obligé d'aller en permanence à ses sources, à ses références. Mais avant, je l'avais fait, voilà, bon, je parlais de la fin des temps dans l'islam, j'allais chercher les références classiques et médiévales et ottomanes. Je parlais de Gaza. J'allais chercher les références de Gaza dans l'Antiquité, quand Gaza
était une oasis, une des villes les plus prospères de la région, un carrefour, mais où déjà il y avait des tunnels, mais ça c'est une autre histoire. Quand je faisais le miroir de Damas, même chose pour l'histoire dans la très longue durée de la Syrie. Mais là, en fait, ça m'a obligé à revisiter tous les domaines pour pouvoir présenter une histoire qui, bon, qui tient quand même dans pas tellement de pages. Hein. Pour un millénaire et demi, c'est même relativement concis. Hein, pour justement dégager les lignes forces, pour montrer qu'est-ce qui fait sens, pour montrer... Et alors, il y a quelque chose de fondamental au Moyen-Orient, c'est le triangle Irak-Syrie-Égypte. Hein. Et ça, vraiment, on peut le voir depuis la plus haute antiquité. Donc, pour faire simple, hein, bon, c'est le berceau des civilisations, c'est le carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et donc, on a très clairement, hein, d'un côté la Mésopotamie, de l'autre côté la vallée du Nil, et au milieu un espace qu'on va appeler la Syrie. Mais la Syrie au sens large. L'eau, ça donne, hein, Mésopotamie, vallée du Nil, des régimes pyramidaux, des régimes autoritaires, des pharaons, des Sumériens, des Babyloniens, hein, avec un contrôle très étroit de la population parce qu'on doit répartir une ressource rare qui est l'eau. Alors qu'en fait, dans ce qu'il y a au milieu, hein, alors c'est pas que la Syrie d'aujourd'hui, hein, ça couvre Syrie, Liban, Palestine, Israël, Irak, un bout, le nord de la péninsule arabique, et là on a une diversité d'environnements qui est très grande. On a des plaines côtières, on a des chaînes littorales, on a des oasis, on a des vallées, on a des plateaux. On a... Et donc, en fait, là, on a une diversité de populations. Et en fait, on a, au fil des siècles, et c'est tout particulièrement vrai, d'abord avec les églises d'Orient, puis après avec les différentes familles de l'islam, parce que l'islam a de nombreuses familles, et il n'y a pas que les sunnites et les chiites. Hein. Et en fait, ça devient un sanctuaire de minorité. Mais en fait, c'est pas un sanctuaire de minorité parce que tout le monde est une minorité. Donc du coup, on a, sans idéaliser, hein, cette coexistence dans un espace concret, on a des formes de vivre ensemble, des formes de tolérance, hein, de respect mutuel, hein, qui sont particulièrement vraies. Par exemple, il y a une chaîne, on appelle ça la montagne alaouite aujourd'hui, mais en fait, il y a tout dans cette montagne. Il y a des alaouites, il y a des chiites, il y a des ismaéliens, il y a des maronites, il y a des orthodoxes, il y a, hein, parfois dans le même village, parfois d'une vallée à l'autre. Hein. Et donc, cette idée que les conflits religieux sont irréconciliables, évidemment qu'il y a eu des guerres de religion, évidemment qu'il y a eu des affrontements entre personnes qui avaient des fois différentes, mais sur la longue durée, on voit qu'il y a eu des coexistences, des vivres ensemble qui étaient beaucoup plus importants, et puis on voit qu'il y a eu beaucoup de conflits où il y avait d'un côté des chrétiens et des musulmans, et de l'autre côté des musulmans et des chrétiens, hein, où il y avait d'un côté des chiites et des sunnites, et de l'autre côté des chiites et des sunnites et des chiites. Hein. Donc c'est, voilà, l'idée qu'il y ait des blocs qui s'entrechoquent, et bien sur la longue durée, on se rend compte que oui, de temps en temps, mais certainement pas tout le temps. Ce qui m'a particulièrement passionné aussi à la lecture de votre travail, c'est que donc c'est un ouvrage qui est découpé en 10 chapitres et qui s'articule autour de ce que vous appelez effectivement une chronologie contre-intuitive, avec cette idée, vous l'avez montré déjà ici, de suivre des dynamiques qui sont proprement moyen-orientales. Alors, de prendre 1453, la prise ottomane de Constantinople, ben vous choisissez 1501. Les croisades, vous les mettez en je les découpe sur deux chapitres. Oui. Je découpe les croisades. Ça me plaît bien de découper les croisades. Moi, je décide où je commence, je décide où je m'arrête, puis je décide comment je découpe. C'est formidable, on va l'imaginer. Et évidemment, je prends un malin plaisir à ne pas découper là où on attend. Hein. Comme ça, du coup, ça fait réfléchir. Et voilà,
j'ai un peu ri avec vous que je découpe les croisades en deux, parce qu'on nous dit « Ah, les croisades, oui, l'affrontement entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et la chrétienté », c'était pas du tout ça. Une des croisades les plus violentes, elle s'est faite contre d'autres chrétiens, à Constantinople, à la quatrième croisade, hein, où Constantinople a été totalement ravagée, ses églises pillées, ses moines trucidés par d'autres chrétiens. Hein, voilà, il faut quand même se rappeler de cela. Du côté musulman, hein, Jérusalem est prise par les croisés dans un bain de sang en 1099. Ils mettent quand même un bon siècle à la reconquérir. Hein. Donc ça veut dire que bon, il n'y avait pas une urgence absolue à libérer Jérusalem. Hein. Voilà, on pouvait parfaitement vivre en étant musulman au Moyen Âge avec Jérusalem qui n'était pas occupée par les musulmans. Donc voilà. Et que Noureddin, puis Saladin, qui vont, et c'est finalement Saladin qui va reconquérir Jérusalem, ben en fait, ils ont passé beaucoup plus de temps de leur vie à faire la guerre à d'autres musulmans. Et Saladin, quand finalement il reconquiert Jérusalem, c'est par la négociation avec les croisés qui peuvent quitter la ville avec leurs armes personnelles en laissant leur arsenal sur place. Mais donc sans avoir été ni battu ni rançonné. Hein, ça s'était arrivé à une bataille avant. Mais c'est pour ça, bon, y a des cartes, hein, mais en fait, quand on fait une carte du Moyen-Orient, on se rend compte que les croisades, c'est périphérique. C'est un petit espace, des petites populations. Il y a une croisade qui mobilise, suivant les sources, entre 3 et 6 000 militaires chrétiens. 3 et 6 000. Et au même moment, enfin un peu après, quelques années après, on a des centaines de milliers de Mongols qui déboulent sur le Moyen-Orient. Ça, c'est du sérieux. Et ça va complètement bouleverser le Moyen-Orient. Ça va être la fin du califat abbasside, la prise de Bagdad, ça va être la pire défaite que l'islam ait jamais subie. Et qui va sauver l'islam? Qui va sauver le Moyen-Orient? Eh bien, des esclaves affranchis, des mamelouks, des gens qui ne parlent même pas arabe, qui ont été vendus sur les marchés d'esclaves de la mer Noire et de la Syrie, et qui se retrouvent à la tête des armées de l'islam, parce que toutes les autres élites se sont débandées. Donc voilà, c'est cette histoire qu'il faut raconter, et du coup, on n'est plus du tout dans les grands récits sacrés, ah, les croisades, etc. Et au Moyen-Orient, on ne parle pas des croisés, on parle des francs à l'époque. On parle des francs, franges, hein, pour les opposer aux roms, aux chrétiens d'Orient. Hein. Donc les franges, les francs, et les roms, les romains, parce que Rom, c'était Constantinople, la Rome d'Orient. Hein. En fait, au Moyen-Orient, on parle des croisés au XIXe siècle. Donc on commence à parler des croisés quand l'impérialisme commence à arriver. Et donc, en fait, on réécrit au Moyen-Orient l'histoire des croisades, donc du point de vue des Moyen-Orientaux, mais on l'écrit au futur intérieur. On fait comme si les croisades et l'impérialisme, c'était la même chose. Donc on se trompe. Mais pas totalement. Parce que quand les Français arrivent en Syrie et au Liban, les discours de l'époque sont des discours qui parlent de croisades, qui parlent de revanche. Hein, le général français qui prend Damas, qui renverse le royaume arabe, on dit, bon, ça n'a pas été prouvé, mais en même temps c'est très révélateur, mais je précise que la citation peut être discutable, qui va sur la tombe de Saladin et qui dit, voilà, nous sommes revenus, nous sommes vengés. Voilà. Donc c'est là où on a des représentations, des discours, qui évidemment vont expliquer pourquoi ce général est à Damas, qui évidemment vont expliquer pourquoi des Moyen-Orientaux vont résister aux impérialistes, mais qui ne repose pas sur la réalité des croisades. On en oublie un. Pourquoi? Parce qu'il a pratiquement disparu. Donc les Zoroastriens, les Parsis, lui était Parsi. Donc, cette petite communauté en Inde maintenant. Et puis il y a un député Zoroastrien au Parlement iranien. Il y a une petite communauté qui... Alors ça aussi c'est étonnant. Pourquoi un monothéisme disparaît? C'était un monothéisme élitiste, hein, pour la caste des grands prêtres, hein, des maîtres du feu, des mages, hein, vu que tout le culte de Zarathustra, Zarathustra est censé être le prophète, et Ramazda est censé être la divinité, tournait autour du feu. Les temples, c'était des temples du feu. Mais par exemple, hein, et ça,
évidemment dans les chroniques musulmanes on ne dit pas trop d'Isère, il y a eu des temples du feu qui ont continué à opérer en Perse 3 siècles après la conquête islamique. Donc l'idée que voilà, les musulmans arrivent, tout le monde devient arabe, tout le monde devient musulman, ça ne tient pas la route. Le Moyen-Orient, après la conquête islamique, reste majoritairement chrétien pendant au moins 2 siècles, peut-être 3. Donc voilà, cette idée, on est arrivé, puis tout le monde a été converti parce que c'était le sabre et tout. Non, 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 non. Alors j'idéalise pas, hein. C'est une invasion, hein. C'était des conquérants. Mais mes collègues archéologues disent que c'est une conquête invisible, parce qu'en Syrie, il n'y a pratiquement pas de destruction. Donc, il s'est passé, évidemment qu'il y a eu des batailles, mais il n'y a pas eu l'équivalent de ce qu'on va connaître avec les Mongols, avec, ou avec les guerres coloniales. Hein. Voilà, il faut penser à ça. Il faut penser que du jour au lendemain, par je ne sais quel coup de baguette magique, le Moyen-Orient n'est pas devenu arabe-musulman. Il y a une arabisation progressive qui ne correspond pas à l'islamisation, parce qu'en fait les plus arabisés sont des chrétiens, qui sont souvent des hauts fonctionnaires du califat, hein, et avec d'ailleurs les évêques qui disent on est quand même beaucoup plus à l'aise avec les musulmans, parce qu'au moins le pape ne nous embête pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'il nous dit fais pas ci, fais pas ça, nous on peut dire oh, bah, excusez-nous, on est sous l'autorité des musulmans et on n'est pas obligé d'appliquer les. Alors évidemment, il y a eu des cas de persécution, évidemment, il y a eu des discriminations. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est des bisounours, ça, au Moyen-Orient. Mais que l'idée que. Voilà, il y a une invasion. Et du jour au lendemain, le Moyen-Orient est différent, pas du tout. Et je mentionnerai deux choses, parce que c'est même le contraire. Les musulmans, quand ils arrivent en Syrie, bah, ils prient. Hein. Et puis ils arrivent en Syrie, chez les Byzantins, et puis ils voient ces cathédrales, ils voient ces gens qui montent en chair le dimanche. Et donc, il va y avoir l'idée de faire des jams, des jawam, des mosquées cathédrales, avec quelqu'un qui monte au minbar et qui va faire l'équivalent musulman du sermon, la khutba, qui va la faire le vendredi, évidemment pas le dimanche. Mais on va voir des lieux de culte, à Damas par exemple, qui pendant des décennies vont être partagés. Ils vont être partagés entre chrétiens et musulmans. Parce que, par exemple, à Damas, il y a la tête de Jean-Baptiste, donc l'apôtre Jean-Baptiste pour les chrétiens, et Yahya, un des prophètes de l'islam pour les musulmans. Donc il y aura un lieu de culte partagé, et après les musulmans vont en faire exclusivement une mosquée. Donc voilà, c'est ces choses qu'il faut dire, qu'il faut rappeler, hein, et effectivement mettre à disposition tous ces éléments de compréhension, toutes ces cartes, toutes ces chronologies, hein, pour éviter qu'on nous dise toujours la même chose. Ah oui, ben voilà, les 4 premiers califes, puis après les Omeyyades, puis après chiites, sunnites. Non, par exemple, 680, tout le monde nous dit à partir de là, il y a chiites et sunnites, c'est impardonnable. 680, pour les contemporains, bon, c'est la mort de Hussein à Kerbala, qui est un martyr devenu fondateur pour le schisme. Pour les contemporains, c'est un événement qui n'a pratiquement aucune importance. C'est quelques dizaines de personnes en plein désert en Irak. Personne ne voit un tournant historique. Hein, et on peut comme ça multiplier les occurrences, et à chaque fois l'idée est, voilà, on fait un pas de côté, hein, voilà, c'est quand même ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans l'histoire, l'histoire des historiens aujourd'hui, un pas de côté pour cesser de toujours asséner les mêmes refrains et d'éclairer une réalité qui est fascinante. Je voudrais revenir sur le titre du livre, en fait, Le milieu des mondes. Le milieu des mondes. Et vous dites dans votre travail, j'aimerais bien que vous éclairiez un petit peu cette citation, une telle centralité géographique nourrit une forme de centralité politique. Oui, ben, donc il y a d'abord l'évidence, hein, on est au centre entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Hein. Alors cette évidence,
à l'aube de l'humanité, c'est aussi une réalité. Hein. C'est là que tout a été inventé. Hein. L'écriture, l'agriculture, l'irrigation, quand mon livre commence, donc dans l'Antiquité tardive, le Moyen-Orient, c'est sans doute un quart de l'humanité. Hein. Un quart de l'humanité. Hein. L'autre quart, au moins, est en Chine à ce moment-là. Hein. Puis après, ça s'est parti un peu partout sur le reste du monde. Aujourd'hui, on est à 400 millions de personnes. Voilà, c'est-à-dire 5,5%. La population du Moyen-Orient va rester entre 20 et 40 millions, pour faire simple, hein, pratiquement jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fameuse explosion démographique, qui n'est jamais qu'un rattrapage du retard démographique du Moyen-Orient. Donc l'idée des hordes qui vont émigrer, submerger l'Europe à partir du Moyen-Orient, ça n'a aucun sens du point de vue de l'équilibre démographique et de l'histoire des populations. La menace démographique, elle était beaucoup plus de l'Europe sur le Moyen-Orient que l'inverse. Hein. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. L'Europe est beaucoup plus peuplée que le Moyen-Orient. Hein. Donc, mais la centralité, elle est politique parce que au fond, un empire qui n'est pas présent au Moyen-Orient ou qui ne contrôle pas le Moyen-Orient, ben c'est un empire régional, c'est pas un empire mondial. Hein. Et on voit bien qu'à l'époque contemporaine, une puissance qui veut être une puissance mondiale doit être une puissance au Moyen-Orient. C'est évidemment le cas de la France et de la Grande-Bretagne quand elles avaient leurs empires respectifs. Et tout ça s'effondre au Moyen-Orient en 1956. Avec la crise de Suez, quand la France, la Grande-Bretagne s'allient à Israël pour tenter de renverser l'Égypte de Nasser. Et cette victoire militaire s'achève en déroute politique. Et à partir de là, la France et la Grande-Bretagne n'auront plus qu'à acter dans les années qui suivent la fin de leur empire colonial. Ça s'est fait au Moyen-Orient, ça ne s'est pas fait en Asie, ça ne s'est pas fait au Maghreb, même s'il y a eu la guerre d'Algérie, évidemment, je sais bien qu'il y a eu la guerre d'Algérie, mais c'est en 1956 que ça s'est fait. Hein, à Suez. À Suez, voilà. Hein, et donc, aujourd'hui, hein, c'est très clair hein, que si la Russie de Poutine existe sur la scène internationale, ce n'est pas parce qu'elle est puissante économiquement, hein, ce n'est pas parce qu'elle a du soft power, hein, comme on dit maintenant. C'est parce qu'elle est puissante au Moyen-Orient. C'est parce qu'elle a gagné la guerre de Syrie, bon, évidemment pour le plus grand malheur du peuple syrien, mais elle l'a gagnée. Hein. Donc du coup, elle a une existence internationale. Aujourd'hui, on voit bien qu'avant même la chute de Kaboul et les scènes absolument bouleversantes qui l'ont accompagnée, c'est au Moyen-Orient que l'Amérique a cessé d'être une puissance à vocation mondiale. Parce que je rappelle quand même qu'une puissance à vocation mondiale, ce n'est pas une puissance qui dit oh, « c'est une puissance qui a des alliés, qui respecte ses alliés, qui peut compter sur un réseau d'alliances dans le monde entier. » Or, on a vu avec Trump, on a vu quelque chose d'incroyable. On a vu Trump, bon, qui a fait tout ce qu'il a fait pendant sa présidence, je ne vais pas revenir dessus, entre Jérusalem, l'accord iranien, etc. À la fin, il me dit « Oui, l'accord du siècle, je vais faire l'accord du siècle. » Alors on se dit, même moi je me mets devant ma télé pour voir l'accord du siècle, quand même, c'est important. Et puis qu'est-ce que je vois à l'accord du siècle? Je vois Trump et son copain Netanyahu. Alors vous êtes Bibi, moi je suis Trump, voilà. Et puis là, peace, et tout le monde, ouais, bravo. Mais la paix avec qui? Vous êtes les deux meilleurs copains du monde, c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas un arabe à la tribune, il n'y a pas un arabe dans la salle, c'est quoi cette histoire? La paix avec personne. Ben, à partir du moment où on fait la paix avec personne, c'est fini. C'est fini. Hein? Et on voit bien que même Mahmoud Abbas, depuis son petit palais là, de préfet de Ramallah, hein, il a suffi qu'il dise non, et l'accord du siècle, c'était fini. Donc, une puissance qui n'est même pas capable de faire venir Mahmoud Abbas à la tribune et dire, vous voyez, on a fait l'accord du siècle, il y a même un arabe avec nous, hein? Ben, c'est fini. Et donc, c'est au Moyen-Orient que ça s'est passé. Et maintenant, on le voit en Afghanistan, on le voit ailleurs. Hein. Et ça va au-delà, parce que c'est plus uniquement la question du pétrole, c'est plus uniquement la question d'Israël, c'est la question des symboles. C'est qu'une région qui est aussi
profondément imprégné de symboles devenus universels, pour de bonnes et de moins bonnes raisons, d'ainsi une région qui fait aussi que si on n'y existe pas, eh bien on a beaucoup de mal à dire qu'on est une puissance mondiale. Ce livre indique qu'au Moyen-Orient, les contradictions, elles déclinent sous des formes plus complexes que les grilles communautaristes ou le choc des civilisations. Il s'agirait maintenant d'aller au-delà aussi de cette histoire politique et de développer une réflexion d'ampleur sur les sociétés concernées. Enfin, un historien un peu conscient, j'espère que je le suis, il sait que le prochain livre sur le sujet sera meilleur que le sien, parce qu'il prendra en compte les acquis. Hein. Voilà, on s'enrichit, c'est du travail collectif. Moi, je ne fais que contribuer à une réflexion collective. Hein. Et donc, j'aurais adoré faire une histoire des femmes, et je n'ai malheureusement pu mettre en avant que les figures féminines qui ont été mises en avant par les pouvoirs de l'époque. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y en a pas beaucoup. Mais elles sont éminentes. Hein, Rabia al-Ardaoui, la première des soufis. Le soufisme est inventé par une femme, en plus d'origine servile en Irak au 8e siècle. C'est quand même extraordinaire. Shajar al-Dour, la sultane d'Égypte, qui va, au nom de qui la prière va être prononcée dans toutes les mosquées d'Égypte pendant près d'un an. Hein, mais évidemment, hein, moi je ne vais pas inventer des femmes de pouvoir là où il n'y en avait pas forcément dans l'histoire, mais ça ce serait fascinant, l'histoire sociale évidemment. Hein. Donc moi, mon histoire, elle est politique, hein, parce qu'elle elle déconstruit ces récits. Hein. Ces grands récits, ces récits sacrés, hein, qui vraiment obscurcissent le regard et bloquent la compréhension. Donc à chaque fois, je donne des références d'autres auteurs pour aller plus loin, qui sont chacun des spécialistes d'une zone ou d'une période dont je ne suis pas forcément spécialiste. Hein. Moi, je parle arabe, je ne parle pas persan, je ne parle pas turc, je ne parle pas hébreu, je ne parle pas kurde. Hein. Or, il y a des spécialistes éminents de ces langues, de ces cultures. Donc, qui veut aller plus loin peut évidemment s'abreuver à ses sources, comme on dit en arabe. Hein, voilà. Vous dites, donc en conclusion de l'ouvrage, « À l'heure où les prédateurs régionaux manipulent le passé pour justifier leurs aventures, il importe de leur opposer une lecture dépassionnée des siècles écoulés et d'éviter que des récits de combat ne nourrissent de nouvelles crises. » Des prédateurs régionaux, donc là encore, hein, moi, pour moi, Erdogan n'est pas la Turquie. Erdogan, c'est le régime actuel dont on sait qu'avec une grande violence, il opprime une partie de la population turque et une partie encore plus grande des intellectuels turcs. Et quand je dis prédateur, c'est parce qu'avec tout ce qu'il a fait, alors on pourrait... mais aujourd'hui en Syrie, bah, il utilise les poches qu'il a pour des mercenaires, des chairs à canon qu'il va envoyer en Libye et dans le Caucase. C'est pour ça que je parle du terme de prédation. Mais pour moi, Israël est un prédateur, les Émirats Arabes Unis sont des prédateurs, l'Iran, quand évidemment il a ses milices qui tuent des démocrates en Irak ou qui brisent des manifestations au Liban, c'est évidemment aussi un prédateur. C'était ça mon idée. Hein, c'était pas... Et donc, il y aurait effectivement pour la France et pour l'Europe un boulevard, parce que de quoi a besoin le Moyen-Orient? Il n'a pas besoin de plus de force, de plus de violence, de plus de cynisme. Ça, il en a largement. Hein. Et l'idée que les soi-disant réalistes, voilà, avec plus de force, plus de violence, plus de cynisme, c'est déjà beaucoup trop. Hein. Tandis que du droit, et on voit hein, quand Emmanuel Macron va à Beyrouth, le 6 août de 2020, hein, donc de 48 heures après l'explosion dévastatrice du port, hein, qui fait 200 morts et 300 000 sans-abri, là, il y a un moment où on voit ce que la France pourrait être au Moyen-Orient. On sait que ce moment, il a été fugace, parce qu'après, on a laissé cette classe politique de complètement dévalorisée continuer à faire ses petites magouilles alors qu'il fallait évidemment les sanctionner, il fallait évidemment une enquête internationale, il fallait évidemment tout ça, il ne fallait pas les laisser faire leur petit jeu. Quant à l'Europe, elle aurait encore plus que la France, hein, parce que l'Europe comme constitutrice, comme productrice de normes, d'institutions, de droits, c'est de ça qu'a besoin l'Europe. Prendre la mesure de ce défi moyen-oriental,
implique dès lors d'entreprendre une réflexion sur le temps long, d'une région à la fois chargée de références, lourde de menaces et porteuse d'espérance. En rédigeant ce livre, j'espère avoir contribué à une telle réflexion collective. Vous en êtes désormais les seuls juges. Il faut voir que ce qui marque le premier temps de l'islam, c'est une profonde informalité, hein, et que les rites vont mettre beaucoup de temps à se stabiliser, de même d'ailleurs que le texte du Coran. Hein. Donc les rites du pèlerinage sont censés être calqués sur le pèlerinage dit de l'adieu, hein, de Mohammed peu avant sa mort, donc à la Mecque en 632. Mais on se rend compte qu'après il y a toute une série de constructions. Et l'inscription dans l'espace, ça c'est très clair, hein, la grande mosquée, ce qu'on va appeler donc la mosquée du vendredi, ou la grande mosquée, parce que c'est la même racine entre mosquée et vendredi, hein, Jamara, c'est la racine du rassemblement. Donc c'est fondamentalement l'endroit où on se retrouve. Donc ça doit être un endroit d'ample dimension. Et là, effectivement, on a un modèle tout trouvé. C'est les églises byzantines. Et donc l'idée que comme on est nombreux, qu'on va monter en chair, on va appeler ça le minbar. Et du haut du minbar, on va prononcer devant les musulmans rassemblés une khutba, hein, un sermon du vendredi. Alors, je ne dis pas du tout qu'il y a eu un phénomène d'imitation, mais simplement c'est une inspiration. De même que les califes omeyyades se sont installés dans les palais byzantins. Ils n'en ont pas construit des nouveaux vu qu'ils ne les avaient pas détruits. Et que c'était quand même des palais tout à fait agréables. Hein. Donc, dans d'autres parties du monde, il y a eu destruction et les musulmans ont créé à partir de rien une forme d'architecture. En Syrie, ce n'est pas du tout ça. Or, la Syrie va être quand même, pendant le premier siècle de l'islam, le cœur du premier empire islamique, celui qui va rayonner jusqu'à Narbonne, hein, de Narbonne jusqu'à la vallée de l'Indus. C'est l'empire musulman le plus étendu de tous les temps. On n'aura plus jamais ça. On aura des empires après qui se sépareront. Mais l'idée d'une unité politico-religieuse, hein, qui va du sud de la France jusqu'à l'Inde actuelle, ou plutôt le Pakistan actuel, ça c'est tout à fait unique. Et ça s'est fait à un moment, il ne faut jamais l'oublier, hein, le cœur de cet empire est majoritairement chrétien. Hein. Donc il faut vraiment apprendre à distinguer l'idée que la religion du pouvoir et la religion de la population. Hein. La religion majoritaire n'est pas forcément la religion dominante. Hein. Et ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, en France, on aurait peut-être intérêt, dans le débat, voilà, à relativiser ces notions pour montrer que, effectivement, et j'insiste, hein, sans aucunement idéaliser, évidemment qu'il y a eu des persécutions, évidemment qu'il y a eu des guerres, mais il y a eu aussi des métissages, des coexistences, des cooptations. C'est ça qu'effectivement les histoires sacrées des deux côtés reconnaissent moins bien, parce que ce sont des zones grises de l'histoire. Moi j'avais fait, il y a déjà 15 ans, un livre qui s'appelait « Les frontières du djihad ». Et on se rend compte qu'en fait, à l'époque classique, au Moyen-Âge, entre les musulmans et les chrétiens, hein, il y a des zones grises. Il y a des zones qui n'étaient ni musulmanes ni chrétiennes. Il y a des zones où on commerçait. Il y a des zones où on avait des mariages mixtes. Il y a des zones où, voilà, on va dire pendant l'été c'était les uns, pendant l'hiver c'était les autres. Et ça a duré pendant des siècles. Donc cette idée d'une confrontation de limites rigides, en fait, elle ne correspond pas à l'histoire sur la longue durée. Et les périodes de guerre ont, si on les rassemble, été chronologiquement moins longues que les périodes, si on veut dire de trêve, si on ne veut pas dire de paix, au moins on peut dire de trêve, avec tout ce que ça implique. Moi je voulais revenir sur la conclusion du livre, sur cette question de la France moyenne-orientale, et notamment cette perspective que vous donnez à la fois en tant que diplomate et puis historien, ancien diplomate.
de proposer cet espace comme le cadre privilégié de l'affirmation de la France sur la scène internationale, et aussi de l'incarnation des valeurs de la République. Est-ce qu'on peut dire qu'on a une image de la France qui se dessine comme championne du droit plutôt que de la force, en fait, dans cette région du monde ? Moi, j'ai représenté la France à l'étranger, à mon petit niveau. J'ai jamais été ambassadeur, mais je l'ai représenté. Et j'en étais très fier, très heureux, et parfois comblé, parfois un peu plus déçu. Mais c'est vrai que dans cette partie du monde, l'idée que la France parle de la solution à deux États, parle de territoire occupé en Palestine, là où d'autres oublient malheureusement, l'idée que la France est pour ces normes-là, eh bien, c'est important. En même temps, voilà, la France aurait effectivement été plus crédible si elle ne s'était pas coquinée avec Saddam Hussein, avec les pétromonarchies, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que le respect du droit était très... limité. Mais il y a une certaine morale. Saddam Hussein, ça s'est fini en catastrophe, l'idylle de la France avec Saddam Hussein. Et on a fini par lui faire la guerre. C'est-à-dire qu'on a fait la guerre à quelqu'un qui nous devait, je ne sais plus combien, de dizaines ou de centaines de milliards. C'est-à-dire qu'on a contribué à bombarder la personne qui aurait peut-être pu un jour nous rembourser. Donc là, on était sûr. Plus on bombardait, plus on était sûr qu'on perdait cet argent. Voilà. Avec les Américains qui, évidemment, nous regardaient avec une certaine perversité. L'image qu'on projette dans cette partie du monde, elle fait sens, elle fait société, elle fait république en France. Et je crois que chaque fois qu'on prend une position au Moyen-Orient, on devrait prendre en compte l'impact que ça a en France. Et presque dire, peu importe que ça marche au Moyen-Orient, l'important, c'est que les Françaises et les Français soient fiers qu'on ait cette image-là. C'est pour ça qu'il est tellement important que la France continue de dire qu'un État palestinien est indispensable au Moyen-Orient parce que le peuple palestinien a un droit imprescriptible à l'autodétermination, dans le respect évidemment de la sécurité d'Israël et de ses frontières quand elles seront enfin définies. C'est important. Et on voit que Jacques Chirac, le moment où il bat tous les records de popularité, 95, c'est quand il s'oppose à la guerre en Irak. Alors on peut dire que ça n'a servi à rien au Moyen-Orient, vu que de toute façon les Américains ont fait la guerre. Mais d'abord en France, ça a été très important. Imaginez si on avait eu en 2003, une décennie avant la vague d'attentats, l'idée d'un choc des civilisations entre l'islam et l'Occident, ça aurait été absolument désastreux pour le monde, pour le Moyen-Orient, mais aussi pour la France, pour sa société. Donc c'est très important. Et même si ça n'a pas empêché les Américains de faire la guerre, c'est quelque chose qui reste jusqu'à aujourd'hui, qui reste et qui fait qu'on n'est pas perçu comme d'autres au Moyen-Orient. Quand on dit « oui, mais tout ce que vous dites, c'est des mots, ça ne servira à rien au Moyen-Orient ». Mais c'est très important de dire le droit au Moyen-Orient. C'est très important de ne pas serrer la main qui est pleine de sang. C'est très important d'enlever la grande croix de la Légion d'honneur à Bachar el-Assad. Donc ces gestes qui nous paraissent symboliques, alors on entend dire « oui, tout ça, c'est des grands mots, etc. » Mais les grands mots, les symboles, le droit, l'affirmation des droits des peuples, l'affirmation du droit international, c'est fondamental. Comment on a pu sortir de la guerre froide en Europe? On a pu sortir parce qu'il y a des gens à Berlin qui ont dit « Ah bien, cette zone, elle est occupée. C'est pas normal qu'il y ait deux Allemagnes. C'est pas normal. Le peuple allemand, il a un droit à l'autodétermination comme peuple unique. » Eh bien, c'est la même chose qu'il faut faire au Moyen-Orient. Et moi, je suis convaincu que c'est sur ces bases-là qu'on pourra, un jour, et j'espère que nous le verrons tous, voir un Moyen-Orient différent. Merci à M. Thibault, c'est un très grand plaisir. Mélodie.